Amis des Panzers, salut à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau gameplay, cette fois en Panthère. J'avais dit la dernière fois que je passerais les Panthères un petit peu en revue. Donc la dernière fois, on avait vu le Panthère A, aujourd'hui c'est le Panthère G qu'il est question. Donc on va voir un petit peu comment il se comporte. Et surtout, comme il est en tier 4, c'est pas évident du tout de jouer les Panthères aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous montrer au mieux la façon, enfin, que moi je pense qu'il faut les utiliser le plus possible pour rester en vie, parce que c'est vraiment compliqué. Donc je vais vous montrer ça sur deux gameplays. Donc là on commence sur le port de Novorossiysk en domination. Donc là je vais aller me placer à un endroit stratégique, hein, parce que franchement en tier 4 ça devient quand même difficile de le jouer le Panthère. Honnêtement, vu ce qui est aligné en face au niveau des forces de frappe, la tourelle du Panthère, c'est vraiment son point faible. D'ailleurs, même le glacier avant incliné se fait transpercer assez rapidement. Enfin, c'est surtout la tourelle qui pose problème. Alors sur le G, la tourelle fait 110, elle fait 110 mm. Sur le A, la dernière fois que j'ai utilisé, elle faisait 100, donc elle est plus fragile. Mais le A, celui qui a la meilleure mobilité finalement, puisque la rotation de tourelle est la plus élevée de toutes les séries des Panthères. La rotation est vraiment très bonne sur le A, on va dire. Même la marche arrière, qui n'est pas exceptionnelle sur le A, me semble meilleure que sur les autres versions. Parce que c'est vrai que sur le G et le F, c'est vous reculez, j'ai regardé, on est à moins 3 km/h, quoi, donc vous êtes vraiment quasiment sans marche arrière, quoi. C'est vraiment le problème. Et c'est pour ça que en utilisant le G ou le F, il faut vraiment trouver à chaque fois des points d'appui avec des positions vraiment bonnes. Et surtout, il faut garder en tête d'essayer d'avoir toujours l'effet de surprise avec le Panthère, parce que sinon on ne dure pas vraiment longtemps, ça c'est clair. Donc là, il y a un M36 GMC qui s'approche. Donc là, vous voyez les ennemis qui avancent à découvert comme ça. Là, grosse erreur. Hein. Ils sont complètement à découvert dans la grande avenue qui est en face du port. Là. Donc là, on les prend littéralement de flanc et de face. Donc là, vous voyez, déjà, ils étaient 3, il n'y en reste plus qu'un. Je vais m'en occuper. Voilà, terminé. Donc là, leur attaque rapide, et il y en a un quatrième ici. Donc là, évidemment, grosse erreur, hein, jamais passé ici à découvert, là, c'était suicidaire de leur part. C'est clair qu'ils n'allaient pas faire long feu du tout. Et du coup, bah, voilà comment perdre 4 unités d'entrée. Donc là, vous voyez que ça les a vraiment, vraiment calmés. Puis là, le dernier que j'étais en train d'entamer, voilà, il se fait achever. Donc là, déjà ici, je pense qu'on ne reverra pas autant de monde qu'à l'instant, hein, ça c'est clair. Donc là, bah, pour l'instant, je vais garder cette position. Je vous avais parlé de cette position qui a été rajoutée, puisqu'avant, c'était fermé ici. Vous aviez le mur de l'immeuble qui vous empêchait de passer. Donc ils ont créé ce passage, et j'ai un deuxième passage à droite, donc c'est ça qu'il faut surveiller quand même. Mais vous avez deux accès qui vous permettent quand même de traverser... Parce que c'est vrai que quand le point C au milieu est pris, ou en tout cas défendu, vous ne pouvez pas passer par là. Donc l'ouverture, ça a été vraiment une bonne chose. Donc là, il y a un STRV qui passe. Et en plus, vous voyez, les joueurs, je ne sais pas pourquoi, la plupart du temps, ils prennent pas le soin, en tout cas, ils n'ont pas le réflexe de jeter un œil dans ce renfoncement, qui est finalement redoutable, puisque vous avez vu que ça fait vraiment pas de cadeau quand vous prenez un ennemi à cette distance-là. Et surtout sur le flanc, c'est clair que là, ça pardonne pas. Donc là on va attendre un peu, hein, puisque vous voyez bien que j'ai pas mal de monde qui est juste au coin de la ruine. En tout cas dans le secteur il y a vraiment de quoi faire. Donc là on va rester prudent, parce que derrière vous voyez sur la droite, vous pouvez contourner et vous avez une autre ouverture. Donc là le mieux c'est d'avoir un autre coéquipier qui s'occupe du deuxième passage. Mais bon, quand on joue seul c'est pas évident de faire comprendre à quelqu'un de se poster ici. Mais en escouade, franchement, s'il y en a un deuxième qui se met à droite sur le derrière là, franchement, là la position vous la tenez bien et il n'y a pas de risque de se faire contourner. Donc là sur le Panthère G, voilà, c'est la tourelle qui me pose problème, enfin qui pose problème, parce que dès que vous avez un affrontement en face à face à découvert, en un coup, voire deux maximum, vous êtes détruit. C'est tout ce qui est en char anglais ou américain, vous tire dedans et c'est terminé. En une seule fois, en général, vous êtes détruit. La tourelle n'encaisse pas du tout, malgré qu'il n'y ait pas de munitions dans la tourelle. En général, votre équipage est tué avec les obus perforants anglais en général. Ça fait pas de cadeau. C'est vraiment le problème, hein, du Panthère.
Alors, la mobilité, comme il fait 110 de tourelle, il est un petit peu moins rapide que le A, donc de 55 km/h, on chute à 46, mais bon, c'est pas vraiment ça le problème. Donc là, voilà, terminé. Donc vous voyez, à chaque fois, il s'avance, personne ne regarde de mon côté. C'est quand même. Alors là, c'est ce que je vous disais, vous voyez, il y en a un qui est passé. Donc là, évidemment. Alors là, j'ai de la chance, hein, parce que là, franchement, il va mal tirer, parce que vous voyez quand même le problème. Donc là, voilà, j'ai vraiment eu du cul, là, faut être honnête. Il a vraiment mal visé et vous avez vu malgré la rotation de tourelle qui est quand même pas exceptionnelle. Bon, le problème, voilà, c'est la mobilité du char quand vous êtes à l'arrêt. Entre la marche arrière et le moment où vous voulez réaccélérer, le char est quand même lent. Et là, les manœuvres au corps à corps, c'est vraiment compliqué, hein. Honnêtement, faut vraiment éviter les manœuvres au corps à corps. Là, vraiment, j'ai eu de la chance parce qu'il a très mal visé. Mais la plupart du temps que je me suis retrouvé nez à nez avec un ennemi en combat comme ça rapproché, vous avez très rarement le dessus, vous n'avez pas le dernier mot, le char est à moins de vraiment viser tout de suite au bon endroit et avec de la chance, mais quand vous êtes surpris, si jamais la tourelle est trop dans l'autre sens ou votre char est complètement incliné d'une façon qui vous met en danger, vous n'avez vraiment pas le temps de vous replacer et en général c'est la fin, quoi. Donc moi je conseille vraiment de jouer le Panther toujours avec une bonne distance et de garder à l'esprit qu'il faut toujours avoir l'effet de surprise si vous voulez tenir le coup, parce que franchement sinon c'est pas possible. Trop de tir 4 qui sont puissants en face, le Panther il fait plus le poids, hein, faut être honnête. Il faut vraiment essayer d'avoir toujours les actions en embuscade. Donc là bon bah lui est terminé. C'est vraiment le souci. Ça reste un bon char quand même, parce que le canon évidemment il est stable quand vous êtes à l'arrêt et que vous visez vraiment de loin. Donc là il y a encore un client, donc là bon cette fois-ci lui je pense qu'il savait qu'il y avait quelqu'un, mais de toute façon c'était pas en rentrant comme ça dans l'impasse qu'il aurait réussi à me surprendre. Le Panther, voilà, le problème, voilà, c'est vraiment le blindage face au char de la guerre froide. Il supporte pas les tirs de ces chars et c'est vraiment dommage, parce que c'est vrai que c'était un des meilleurs chars de la Seconde Guerre mondiale, certainement le plus fiable de l'armée allemande, c'est celui qui tombait le moins en panne. C'est certainement le char qu'ils ont construit qui était le plus efficace au final, puisque les Tigres 1 et 2 étaient constamment sujets à des pannes, vous le savez bien. Et le Panther, c'est celui franchement qui tenait bien le coup sur le. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment pas le temps de revenir. C'est ce que je vous disais, là, il y a un M36 qui arrive. En plus, c'est des chars qui sont tellement rapides. Vous avez vu le temps de rotation de tourelle, c'était ingérable. Donc c'est pour ça que je vous disais, vaut mieux être à deux. Bon, là, en même temps, c'est moi qui ai déconné, parce que ça faisait un petit moment que j'étais sur cette position. J'aurais dû au moins me mettre par là où il est arrivé, l'ennemi. J'aurais dû changer de position. J'ai voulu un petit peu trop traîner et le résultat, bah, ça m'a perdu. Mais bon. En tout cas, vraiment cette position, retenez-la, parce qu'elle est vraiment efficace, surtout quand on se trouve de ce côté-là, et puis ça permet de faire le ménage avant de pouvoir éventuellement circuler dans la carte, parce que c'est vrai que sur cette carte, c'est pas évident de progresser, donc c'est vraiment un bon emplacement, je pense. Donc là, on est parti sur Europe de l'Est en mode conquête, donc là, un point unique. Alors là, c'est pareil, hein, je vais me choisir un bon emplacement avec le Panther. Je vais avoir un super défilé en face, vous allez voir. Donc, toujours dans l'état d'esprit d'embuscade et d'effet de surprise, hein, j'insiste vraiment là-dessus. Donc là, je vais me placer sur le début du pont. Et je vais avoir une très bonne vue d'ensemble de ce qui se passe de l'autre côté. Donc là, j'ai pas mal d'alliés qui ont traversé, donc je vais les laisser agir de l'autre côté. Donc là, voilà, je vais me mettre ici. Donc là, vous allez voir que ça va être assez redoutable au départ. Donc là, il y a un ennemi qui est en train de capturer. Alors on va balancer un petit barrage d'artillerie. Alors, certainement un petit char rapide, hein, comme d'habitude, parce qu'il a fait quand même vite pour venir jusqu'ici. Allez, allez. Donc, et voilà. Alors là, franchement, j'étais assez content, parce que faire la première frappe avec un barrage d'artillerie, honnêtement, c'est assez rare. En plus, finalement, les barrages d'artillerie, c'est très rare quand vous arrivez à détruire un ennemi avec. Donc là, en plus, c'est la première frappe, donc c'est vrai que c'est assez sympa, ce genre d'action. Donc là, j'ai pris un deuxième ennemi sur le flanc, là, en travers. Donc là, on va remettre une couche. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai une très bonne vue. Hein. Honnêtement, on voit bien ce qui se passe en face. En plus, j'ai les ennemis sur le défilé, donc là, c'est parfait. Donc là, terminé.
Donc là, le cheptel Mark 7, bon débarras. Donc là, vous voyez bien que à chaque fois, j'essaie de trouver des positions où l'ennemi me remarque pas tout de suite, ou en tout cas avec une distance assez correcte. Et surtout, j'essaie de choisir des positions où l'ennemi est sur un défilé, hein, parce que ça, c'est clair que quand vous les prenez sur les flancs, c'est quand même beaucoup plus simple. Surtout que les Anglais, on sait bien, ont les tourelles qui encaissent vraiment, vraiment bien. Donc il y a des moments, c'est vraiment pas simple de se débarrasser de ces chars. Là, il y en a un autre, malheureusement, à ce moment-là, je regardais ailleurs, donc il est passé. C'est vraiment dommage parce que je l'avais bien en travers. Et il y en a un autre là-bas, donc là, on va remettre ça. Et bien par ici. Voilà, terminé. Donc là, vous voyez que c'est impeccable. Hein. Le FV4002, il n'a pas fait un pli. Donc là, je vais essayer de maintenir ma position le plus longtemps possible, hein, pour essayer de faire le ménage et de protéger la zone capturée. Donc là, ce qui serait bien, c'est que mes alliés commencent à progresser un petit peu plus loin directement pour aller chercher l'ennemi. Bon, là, il y a encore celui-là pour lequel il faudrait se débarrasser. Alors, voilà, je vais essayer de reculer parce qu'il est juste derrière. Si je recule un peu, je peux peut-être le prendre sur la gauche. Donc là, on va voir. Parce qu'il est juste derrière le pignon de la maison. Mais malheureusement, au moment où je recule, il se remet à avancer. Donc là, c'est vraiment pas de chance. Donc, on va prendre notre temps, hein, de toute façon. Donc là, il se place bien. Hein, il est face à... Je vais essayer de le déloger avec un petit tir d'artillerie, avec un peu de chance. Mais bon, faire une deuxième destruction à l'artillerie, c'est quand même assez rare. Franchement... Il y a quand même le facteur chance, hein, ça dépendra vraiment où vous placez votre artillerie. Et puis bon, après, on peut pas toujours réussir ce genre d'action. Enfin, en tout cas, on voit bien que quand vous gardez votre distance de sécurité avec le Panther, avec des positions un petit peu à couvert, ou en tout cas qui sont pas en vision directe face à l'ennemi, vous avez de quoi encore faire les dégâts avec le Panther. On sent bien que le canon 75 du Panther fait vraiment mal encore. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous vous déplacez avec le Panther et que vous vous stoppez net pour essayer de détruire un ennemi, il y a un balancement assez prononcé sur le Panther. Il faut pas oublier ça. Ça peut poser des problèmes. Il y a vraiment un balancement de haut en bas qui il met un petit moment à se stabiliser. Donc c'est un petit peu critique quand vous avez un ennemi qui surgit. Donc c'est vrai que là, malheureusement, il y en a un qui commençait à traverser sur le pont, je ne l'ai pas vu. Parce qu'il était en contrebas du pont, mais là j'ai mes alliés, franchement ils ont déconné, parce que là il était quand même à découvert sur le pont, j'avais des alliés qui auraient pu le voir là quand même. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, du coup je vais repartir en Panthère, hein, y a pas de souci. Donc bah là par contre ça va se compliquer, parce que là ils ont pris le point, et ils sont bien avancés dans notre secteur. Donc là en plus de ça je suis déjà pris à partie... en sortie de spawn, évidemment ils ont une vue dégagée en face, hein. Alors là j'aurais fait pareil évidemment. Donc là il faut absolument que je me débarrasse de lui. Alors voilà, là la partie elle va basculer, j'ai mes coéquipiers qui vont mal gérer la situation. Vous allez voir que je vais me retrouver à un moment seul, il n'y aura plus que moi, donc ça va devenir compliqué, et l'aviation en plus ennemie va s'y mettre. Donc là c'est dommage parce que la partie était bien commencée, et puis ça s'est dégradé rapidement. Donc bon, bah là cette fois-ci lui on va y arriver quand même. Vous voyez avec cette distance c'est pas évident, hein. J'ai du mal à toucher son bas de caisse, puisque là la tourelle je pourrais pas la percer à cette distance là. Donc là bon, je vais mettre mon bombardement un petit peu plus loin pour essayer d'aider. Alors là j'aimerais bien que les alliés s'en occupent un petit peu là quand même, parce que il est quand même bien visible, il mitraille comme un malade, je suis quand même pas tout seul, hein. Faudrait peut-être que les mecs se réveillent. Donc j'ai tiré tout ce que je pouvais pour essayer de l'éblouir. Ah voilà, ça y est, il y a quand même un qui a compris qu'il fallait m'aider. Je vais remettre Je vais essayer de me déplacer quand même. Voilà, cette fois-ci il y en a un qui va l'achever, donc. Il était temps. Donc là, bon, bah, à ce moment-là de la partie, il y en a encore un qui est caché sur la crête là-haut. Bon, je vais tenter un tir, mais là, il est vraiment un rat. Ça va pas être simple. C'est une espèce d'anti-aérien, la con. J'insiste pas, il s'est barré. Donc là, maintenant, ce stade de la partie, pour essayer de revenir là où j'étais, ça va être vraiment difficile. Puisque là, la plupart des ennemis ont déjà traversé la rive et sont déjà de notre côté. Et en plus de ça, il y a ceux qui sont de l'autre côté en appui sur la colline. Donc là, effectivement, la partie est très mal engagée.
En plus de ça, les alliés qui sont avec moi, ils n'ont plus que des anti-aériens à sortir, donc ça revient à être seul, hein, c'est clair. Donc là, il y a déjà un char ennemi qui est là, juste en face. Voilà, vraiment, puis là, ça surgit ici. Voilà, y a un M26, là, il y a un Comet, enfin bon, ils sont déjà. Je suis à 3 contre 1, plus l'aviation. Donc là, forcément, voilà, terminé. Le Comet, vous avez vu le Comet, même le Comet qui n'est pas un char extraordinaire, vous avez vu là. La facilité avec laquelle il m'a détruit à courte portée, hein, c'est vrai que le Panther, il a vraiment du mal sur ce genre d'action. Donc là, bah, du coup, j'avais plus de Panther G, hein, donc je vais prendre le F. Alors le F, la différence entre le G, c'est juste la tourelle qui est à 120 mm. C'est celui qui est le plus solide. Enfin bon, même ça j'ai pas eu l'impression que ça faisait beaucoup plus de différence par rapport au G. Mais c'est celui qui a le blindage le plus épais, donc 120. Et il a la télémétrie aussi embarquée, donc normalement on a une meilleure visée avec. Mais sinon au niveau des rotations, alors là, tiens, la M26 là, voilà, terminée. Donc là évidemment avec les Panthers, ce qu'il faut, hein, bah, faut vraiment viser les zones les zones les plus critiques des chars ennemis. Il faut essayer, voilà, vous voyez. Là j'ai vraiment ciblé des endroits où j'étais sûr que ça allait faire mal à l'ennemi. Et quand vous faites ce genre de choses, vous détruisez l'ennemi en une fois. Vous avez vu que les deux charges, ça a été un one shot à chaque fois. Donc il faut vraiment bien penser à ça avec le Panther. Et donc là, vous voyez, le FV4002, il me transperce. Vous allez voir, là, c'est carrément sur le glacier avant, enfin incliné. Vous voyez, regardez, ça il me traverse. C'est même pas la tourelle, là. Donc c'est même ce blindage-là incliné, qui était quand même assez solide jusqu'à un certain temps, ne suffit plus à supporter ce genre d'obus. On voit bien que le FV a une force de frappe qui fait que le blindage du Panther, c'est une plaisanterie. Donc là, encore un char anglais, décidément. Allez, on va essayer de se positionner le mieux pour essayer de s'en débarrasser. Donc là, je vise les bas de caisse, hein, puisque c'est vraiment leur point faible. Parce que là, au niveau glacis incliné, en général, là, j'ai pas assez de force de frappe pour le traverser. Donc là, je remets un coup dans le bas de caisse et on n'en parle plus. Et la tourelle, c'est même pas la peine d'y penser. Donc vraiment, voilà, les actions à chaque fois que vous tirez, visez les organes vitaux, on va dire, du char. C'est comme ça que vous arriverez à vous en sortir rapidement. Donc là, j'ai la rotation de tourelle abîmée. En plus, je suis complètement à découvert. Là, j'ai pas trop le choix. On va essayer de réparer le plus vite possible. Donc là, en plus de ça, il y a des ennemis qui sont sur la colline à gauche. Ça arrive en face et c'est sur la rive de droite. Donc là, vraiment, c'est désespéré, hein, le combat. Et je l'ai sorti vraiment pour me battre jusqu'au bout. En plus de ça, l'aviation qui s'y met. Donc j'ai plus vraiment d'options. Je vais essayer de me mettre un peu dans les arbres pour essayer de me dissimuler. Mais là, il n'est plus question d'avancer. Là, c'est terminé. Je vais pas pouvoir me déplacer dans la carte, c'est plus possible. Donc là, j'essaie de rester un maximum planqué pour essayer de détruire les derniers ennemis que je vais pouvoir détruire, qui vont essayer de venir sur le spawn, hein, puisque c'est comme ça que c'est en train de terminer. Donc bon, bah voilà, après, ça reste quand même encore des chars agréables à jouer. Si vous prenez en compte les paramètres de blindage qui sont pas performants, donc en restant un petit peu vigilant et pas trop rapide avec, et en ayant toujours cette attitude d'embuscade. Alors après, vous pouvez aller rapidement sur une zone, puisqu'il se déplace assez vite quand même, et vous mettre justement en embuscade sur un secteur pour soit attaquer, soit défendre une zone. Mais aller partir en chasse un petit peu à l'aventure dans les rues, franchement, vous voyez, même malgré la distance, je viens de prendre un mauvais coup, et puis alors là, je viens de me prendre plusieurs roquettes d'un avion, donc là, c'est catastrophique. Mais ce char est encore efficace de cette façon là quoi. Il faut vraiment essayer de prendre l'ennemi par surprise, et puis je pense que ça se passera plutôt bien. Mais aller faire du corps à corps régulièrement comme on peut faire avec d'autres chars, ne le supporte pas franchement. En plus, la mobilité est pas bonne du tout, donc vous y arriverez vraiment pas à tenir. C'est je vous déconseille de jouer comme ça avec le Panther, honnêtement. Puis alors le dé, j'en parle même pas. Le dé, alors lui, il a la rotation, on dirait que la tourelle est soudée à la caisse. C'est une catastrophe. Elle bouge quasiment pas, il est affligeant, le dé. Pas de marche arrière, pas de tourelle qui tourne, autant vous dire qu'il est injouable. Donc là, le dé, moi, je l'ai complètement abandonné. Bon, bah, écoutez, c'est terminé aujourd'hui pour les Panthères, donc j'espère que ça vous aidera à mieux jouer et à appréhender la façon de procéder avec les Panthères.
Et puis bah écoutez, on attend la mise à jour avec l'armée française, donc ça fait vraiment plaisir, hein, d'avoir les chars français. Donc vous inquiétez pas, bien sûr, je me lancerai sur l'arbre français, hein, ça fait un moment que j'attends. Et on espère qu'ils vont être bons, donc on va voir ça. Je pense que ça devrait plus tarder, la mise à jour. Donc bah écoutez, c'est une bonne nouvelle et on attend ça avec impatience. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Ciao.